Juillet 1830. Paris est à feu et à sang. Le 27 juillet, des barricades sont montées et des émeutes grondent dans les rues. Le chômage et les mauvaises récoltes ont eu raison du moral des Français. Le 30 juillet, le gouvernement de l'ultra-royaliste Charles X s'effondre. Une réorganisation politique s'opère. Chaque camp, bonapartiste, républicain, royaliste, espère élire son représentant. Mais Napoléon II est en exil en Autriche. Et le républicain Lafayette ne veut pas monter au pouvoir. C'est la fin de la Restauration et le début de la monarchie de Juillet, avec l'avènement du duc d'Orléans, Louis-Philippe. Afin d'apaiser les tensions politiques, le roi se veut proche des intérêts du peuple. Il veut être roi citoyen et exercer une politique plus libérale. Mais des sociétés secrètes s'organisent dans l'ombre afin de mettre un terme à son règne et de créer un nouveau climat insurrectionnel. Jour après jour, les menaces d'attentats s'intensifient, laissant craindre le pire. Le 28 juillet 1835, au cœur de Paris, les Français fêtent la Révolution de 1830. À cette occasion, le roi Louis-Philippe a instauré plusieurs jours de congés et de nombreuses réjouissances, feux d'artifice, spectacles et parades militaires sont au programme. À midi, les Parisiens affluent boulevard du Temple pour voir le cortège du roi défiler. Au rythme des battements de tambour, les cavaliers et militaires avancent fièrement sous une nuée d'acclamations. « Vive le roi ! Vive le roi !» Quand soudain, plusieurs explosions retentissent. Une épaisse fumée aveuglante envahit la rue et lentement se dissipe, laissant apercevoir des corps à terre. À un silence de mort, succèdent des hurlements de douleur. De tous côtés, on s'écrie « Le roi est mort! On assassine le roi !» Tous les regards se tournent alors vers l'avant du cortège. Mais le roi est indemne. Seule une trace noire se dessine sur son front. Sur la place, en effet, il y a des victimes, il y a des blessés, probablement des morts. Pour l'instant, c'est la confusion générale. Les gens sont effrayés, la population se disperse. Et à ce moment-là, donc, les gardes nationaux se rendent compte qu'il y a un panache de fumée qui sort dans un immeuble. En une minute, agents de police, gardes nationaux et officiers de la suite du roi investissent la maison du 50 boulevard du Temple, d'où l'attaque semble avoir été lancée. Ils espèrent prendre en flagrant délit les auteurs de cet abominable attentat. Ils forcent la porte barricadée et pénètrent dans l'appartement du troisième étage. Une épaisse fumée se dégage d'un objet étrange. Près de la fenêtre, plusieurs canons de fusil assemblés forment une sorte d'orgue dirigée vers la rue. Mais quelle est donc cette machine infernale encore fumante? L'arme, elle est constituée de 25 fusils de canon qui sont assemblés et qui sont donc sur un châssis en bois, incliné. Et l'idée est que ces 25 fusils de canon vont être mis à feu en même temps. Grâce à une traînée de poudre, il y a donc la machine qui est mise à feu simultanément. Et à l'intérieur des fusils de canon, il y a des balles, il y a des lingots de plomb, des chevrotines. Donc l'idée, c'est de frapper, bien évidemment, de toucher les personnes qui se trouvent en contrebas sur le boulevard du Temple. L'appartement est désert. Les agents de police suivent les traces de sang qui les mènent sur le toit. Quand soudain, un gendarme aperçoit un homme qui se hisse d'une fenêtre à une autre. Il a le visage ensanglanté et la main gauche blessée. «
Voilà l'assassin, il monte sur le toit. L'homme entend ses poursuivants, mais ne se décontenance pas et pénètre dans un appartement. Alertés, les gardes se positionnent devant chaque sortie et ne tardent pas à intercepter le fugitif. Le suspect est immédiatement interrogé. Blessé sévèrement au visage, il peine à s'exprimer et seuls trois mots sortent de sa bouche. Pour la gloire ! Ils vont le questionner dans la maison, mais il ne va pratiquement sur le moment rien dire parce que d'abord il a la mâchoire en partie touché, il a le crâne ouvert en plusieurs endroits, il est littéralement en sang, il est blessé aux mains aussi. Donc il ne dit pas grand-chose. Il donnera un nom, Girard, nom qu'on retrouvera sur l'un des matelas dans l'appartement. Et on trouvera aussi dans l'appartement un portrait du jeune duc de Bordeaux qui est l'espoir des royalistes légitimistes, le fils de la duchesse de Berry, c'est-à-dire l'héritier de Charles X. Et on pensera donc très vite, un temps du moins, que c'est un complot royaliste. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Le bilan de l'attentat est lourd. 18 morts et 42 blessés. Mais le roi est sauf. Autour de lui, plusieurs officiers généraux ont chuté de cheval, frappés à mort. Le pavé est rouge de sang. La foule postée face à la fenêtre, elle aussi a souffert. Deux hommes et une fillette s'écroulent, mortellement blessés. Après quelques secondes de stupeur, la foule pousse des hurlements de frayeur et on se précipite sur les morts et sur les blessés. Immédiatement sont pris en charge les blessés. Certains sont grièvement blessés, c'est le cas notamment du maréchal d'Empire Mortier, qui est encore conscient au moment où, en effet, il est transféré dans un café à proximité, le Jardin Turc, qui est un établissement assez célèbre de l'époque. On lui administre quelques soins, mais assez rapidement, dans un cri, je dirais, il rend son dernier soupir. Il y aura près d'une vingtaine de personnes à peu près vont périr, 18, 19. Des blessés beaucoup, plus d'une quarantaine. Donc ça a été un épisode important. En revanche, et ça c'est tout à fait miraculeux, du moins pour eux, la famille royale n'a pas été touchée. C'est elle qui était visée. On a Louis-Philippe donc, qui était à cheval, lui aussi, derrière le maréchal, qui apparemment s'était dirigé vers la foule, s'était penché au moment de la mitraille et n'a été atteint que très partiellement à la tête. Une éraflure, rien de plus. Ses fils sont indemnes aussi. Et en revanche, bien sûr, dans le cortège, on comptait ce jour-là des ministres, des généraux également. Et puis, bien sûr, la foule en elle-même, puisque la machine ne fait pas la distinction. Hein, c'est une mitraille hein, qui s'abat sur le boulevard du Temple ce jour de juillet. Et donc, il ne fait pas le distinguo, je dirais, entre les êtres. En revanche, l'attentat est un échec. Le roi et le cortège ont repris leur marche pour s'éloigner au plus vite du lieu de l'attentat, laissant les gardes nationaux interpeller le suspect. L'homme, répondant au nom de Girard, est rapidement transporté au poste de police le plus proche, celui de Château d'Eau. Lors de la fouille, ses gardiens trouvent sur lui un paquet de poudre, un couteau à manche de corne, une paire de lunettes, une montre, quelques pièces et surtout une arme étonnante. Un fléau, constitué d'un manche et de trois cordes à l'extrémité desquelles une lourde balle de plomb est attachée. Il comptait sans doute l'utiliser afin de se frayer un chemin pour s'enfuir. Était-il seul au moment des faits? Pourquoi a-t-il commis cet attentat? Lors de son premier interrogatoire, il a beaucoup de difficultés à parler. « Qui vous a donné cette idée-là » demande le commissaire. « Moi-même, » répond Girard. « Des témoins nous ont rapporté qu'une malle avait été transportée chez vous. » Il répond par un signe de tête affirmatif. « Qui a apporté cette malle ?» lui demande le commissaire. « Et qui l'a remportée ?»
Un cocher. Quel est le numéro de la voiture? Je n'en sais rien. Que renfermait la malle? Mes effets. Qui vous a commandé cet attentat? En se frappant la poitrine. Moi-même. Vouliez-vous tuer le roi? À bout de force, il fait un dernier signe affirmatif. Et on l'emmène faire examiner ses blessures. Ce Girard, blessé très grièvement, d'abord on lui mandate des médecins pour voir dans quel état il est. Les blessures sont très sérieuses. Il est gardé aussi par des soldats sur place. Et il est interrogé à un poste de police et il dit très peu de choses. Il dit son nom, son lieu d'origine, l'Odève, et quelques détails, mais vraiment très peu. Il parle avec une extrême difficulté parce que manifestement la mâchoire est en partie touchée. Et d'une voix tout à fait singulière, quoique presque éteinte. Mais on va se rendre compte très vite qu'il a de l'énergie et du tempérament parce que quand on l'a récupéré, vraiment, on pensait qu'il était mourant. Eh bien non. Après quelques soins, on reprend son interrogatoire. Girard. Vous deviez être deux, au moins. Vous ne pouviez pas ajuster la machine pendant que vous tiriez les coups. Il ne répond pas. Qui est-ce qui tenait la persienne pendant que le coup a été tiré? Il fait signe que c'était lui. Vous ne pouviez pas être à la fois à la détente et à la persienne. Il ne répond pas. Avez-vous fabriqué tout seul cette machine? Oui. Combien vous a-t-il fallu de jours pour la faire? Montrez-le-moi par vos doigts. Il fait signe qu'il lui a fallu 2 jours. Vous êtes-vous procuré vous-même les canons de fusil? Non. Ne les a-t-on pas apportés dans une malle? Non. Est-ce vous qui êtes allé chercher les canons de fusil? Oui. Qui vous a proposé de faire la machine? Dites-moi son nom. Dites-moi la première lettre de son nom. Pas de réponse. Comment s'appelle votre maîtresse? Voilà une plume. Écrivez son nom. Girard répond. Pourquoi faire? Le juge enchaîne. Sont-ce les républicains qui ont fait le complot? Après des réponses par signes équivoques, Girard finit par lâcher. Oui. Le prévenu est dans un état de malaise qui ne lui permet pas de répondre clairement. L'interrogatoire est interrompu. Lors de son 3e interrogatoire devant le juge d'instruction, le suspect semble être pris de remords et formule des excuses auprès du roi. Extrait de son témoignage du 30 juillet 1835. Je suis bien fâché de ce que j'ai fait. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas bu un verre d'eau de vie dans le café en bas de ma maison. Je suis très content de ne pas avoir tué le roi. Et quand je serai sur l'échafaud, je dirai au roi des choses qu'aucun autre ne pourra lui dire. Le roi peut se tenir tranquille. Au cours de l'instruction, l'interrogatoire de Joseph Girard laisse entrevoir une personnalité aux multifacettes. Repenti, orgueilleux, provocateur. Mais qui était cet homme intrigant qui avait tenté de renverser la monarchie? Avait-il agi seul? Quelles étaient ses réelles intentions? La réponse allait être soufflée par un haut commanditaire. Le 2 août 1835, un certain monsieur, l'avocat, membre de la Chambre des députés et lieutenant-colonel de la Légion de la Garde nationale, se présente à la Chambre des pairs et fait une révélation détonnante. Il connaît le suspect. Il ne s'appelle pas Joseph Girard, mais Giuseppe Fieschi. Face au juge Pasquier, le suspect craque et avoue enfin son identité. Je m'appelle Giuseppe Maria Fieschi. J'ai été militaire,
Je dois avoir 40 ans, le 21 de ce mois. Demeurant à Paris, boulevard du Temple, au numéro 50, je suis né à Murato, département de la Corse. On retrouve rapidement ses deux principaux complices qui sont arrêtés dans les jours qui suivent. Le premier est un militant républicain nommé Pierre Moret. L'autre comparse est également un républicain répondant au nom de Théodore Pépin. Lorsqu'ils sont interrogés, tous deux nient leur implication dans l'attentat. Une jeune femme est aussi interpellée, elle s'appelle Nina Lassave, elle a 19 ans et serait la maîtresse de Fieschi. Elle déclare n'avoir jamais été au courant du complot visant le roi. On la confronte aux inculpés et tous sont formels, ils ne se connaissent pas. Une perquisition est opérée au domicile de la jeune femme et on retrouve la malle ayant servi à transporter la machine infernale. Les enquêteurs espèrent y trouver des documents contenant les plans de l'attentat. Mais ils n'en sortent que des vêtements de Fieschi. Le carnet de notes du conspirateur sera finalement retrouvé, caché sous le lit de Pierre Moret. Le 5 août 1835 a lieu l'enterrement des victimes. Cette mort digne, elle est quand même compensée par la cérémonie qui a lieu après. C'est-à-dire qu'on a d'abord une exposition des corps qui a lieu donc du 1er au 5 août. Donc à ce moment-là, on a 14 personnes décédées. Hein. Et donc ces personnes sont exposées, c'est une pratique courante, mais la durée de l'exposition tranche avec ce qui se fait d'habitude en regard de la qualité des personnes, puisque comme on a notamment des personnes issues de catégories populaires. Donc ces personnes sont exposées aux Invalides, avec quand même une petite réserve, c'est-à-dire que les cercueils sont faits de telle façon qu'on n'a pas une visibilité directe de ces corps, mais à côté des corps sont exposés les vêtements qui appartenaient aux victimes. Et on voit les sensibilités changer un petit peu à cette époque-là, c'est-à-dire que, d'une part, on ne voit pas trop les corps, contrairement à ce qui pouvait se faire pendant la Révolution, par exemple, pendant la Terreur, et d'autre part, le fait d'avoir exposé les vêtements choque un certain nombre de contemporains qui estiment qu'on est dans une curiosité tout à fait morbide. À l'issue de cette exposition, il y a une grande procession qui est organisée, qui mène donc les victimes de là où elles étaient exposées, de l'église Saint-Paul, jusqu'aux Invalides. Et là encore, comme pour l'exposition qui avait fait en sorte de respecter la hiérarchie sociale, en allant graduellement, hein, depuis une jeune fille de 14 ans jusqu'au maréchal Mortier, là la procession reprend cette organisation sociale, avec là encore la jeune fille qui est en premier, on termine par le maréchal Mortier. C'est lui qui entre en premier aux Invalides, et là il y a une grande cérémonie qui est organisée, en présence bien évidemment du roi et de la reine. La machine infernale est étudiée par des experts. Dès le 29 juillet à midi, M. Bouteville, armurier, est chargé de procéder à l'examen des canons de fusil trouvés dans la chambre. Il résulte de son rapport que ce sont de vieux canons provenant des magasins de l'État, rebutés par l'autorité militaire, puis redressés par un serrurier ou un mécanicien pour être livrés ensuite au commerce. De tels fusils, abîmés, doivent presque nécessairement éclater dans les mains de ceux qui en font usage, décrit l'armurier. L'expert signale en particulier les canons numéro 19 et 23 comme portant encore, je cite, « nonobstant le redressement et la réparation, les tracés des coups de tranche ». La France est en deuil et afin de faire accélérer l'enquête, les autorités se rendent en Corse dans le village d'origine de Fieschi. Murato est un magnifique village situé en Haute-Corse, bien connu pour le style atypique de son église Saint-Michel. Un charmant édifice du XIIe siècle, d'architecture romane et de style pisan. C'est ici que Giuseppe Fieschi grandit au cœur du village. Il est d'une famille de Rennes, en Corse du Sud. Il semblerait que son père ait eu quelques ennuis et il est monté sur Murato pour se faire oublier et il a changé son nom. Il s'appelait Guelf et il s'est fait appeler Fieschi du nom de sa mère. Joseph Fieschi est le troisième enfant
du mariage qu'a eu son père avec une dame qui s'appelait Marie. Lui est né au tout début du mois de décembre 1790, puisque son baptême est daté du 3 décembre. Dans la famille de Giuseppe di Fieschi, on vit très modestement. C'est une famille pastorale, je dirais comme il y en a beaucoup en Corse, mais l'austérité la frappe, la touche. C'est un garçon qui grandit à la campagne et qui va finir par apprendre que son père a été arrêté. Condamné pour une série d'attaques et de vols à main armée, Louis, le père de Giuseppe, est envoyé dans la maison centrale d'Embrun dans les Hautes-Alpes, où il meurt en 1808. Ses soucis familiaux poussent Giuseppe Fieschi à s'enrôler à l'âge de 18 ans dans l'armée de Napoléon Bonaparte. Cet engagement lui permet d'apprendre à lire et à écrire. Pour beaucoup de Corses, après la Révolution française, la carrière militaire est une opportunité qui permet l'extraction, justement, sociale. Si on souhaite devenir quelqu'un, peut-être s'instruire, justement, ça peut passer par les métiers des armes. Les campagnes sont nombreuses, sous la Révolution et ensuite, évidemment, sous l'Empire. Donc, l'épopée napoléonienne offre un tremplin absolument remarquable pour beaucoup de Corses dans l'île. Et notamment pour ceux justement qui sont de faible extraction, c'est l'occasion d'une formation qui va permettre d'accéder à l'écriture, à la lecture notamment, et peut-être, bataille après bataille, de gravir les échelons, espérer devenir un jour officier. Il entre en tout cas dans des régiments corses qui sont expédiés en Italie. D'abord destiné au grand-duché de Toscane d'Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon, et puis finalement détaché au sein de la Légion Corse qui sert au royaume de Naples, qui a été gouverné d'abord par Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, puis par Murat, le beau-frère de Napoléon. Et vraisemblablement, Giuseppe Maria, lui, sert à l'époque de Murat. Mais Giuseppe, lui, se trouve dans un rang militaire, disons, modeste. Ça n'est pas un futur grand officier. Néanmoins, il semblerait qu'il ait joué un rôle important dans certaines missions locales, en Calabre, d'infiltration peut-être aussi déjà. Enrôlé dans la campagne de Russie de Napoléon, il s'illustre lors de la bataille de Polotsk, en prenant la tête d'un groupe de soldats et en mettant en déroute une centaine de Cosaques. Et ce, malgré plusieurs blessures. Cet acte de bravoure lui vaudra d'être décoré et nommé sergent. Entre la Calabre et la Russie, dans le royaume de Naples, il se fait remarquer non pas par ses qualités, je pense, stratégiques, mais par son côté audacieux, son sens de l'énergie, sa promptitude dans l'action et son caractère assez intrépide. À nouveau au service du roi de Naples, Joachim Murat, il participe aux campagnes napoléoniennes de 1812 à 1814. Il sera décoré en 1814 de l'ordre royal des deux Siciles. Mais il trahit ses chefs en livrant des renseignements aux Autrichiens. Il usurpe alors l'identité d'un homonyme et rejoint la Corse. Il a 26 ans. De retour en Corse, Giuseppe Fieschi retrouve sa famille, une famille évidemment où les parents sont absents, avec des questions de succession qui sont toujours des questions délicates quand on aborde la Corse. Dans un contexte toujours aussi misérabiliste, je dirais, et à court de ressources, vient de terminer son service. Il se retrouve dans une situation très délicate et empêtré dans des affaires, notamment qu'il oppose bientôt à une de ses sœurs et également à un beau-frère. Il va créer de fausses pièces administratives pour vendre un bœuf qui appartient à son cousin. Il est finalement arrêté pour vol et faux et usage de faux et condamné à 10 ans de prison. Il est envoyé à la prison centrale et manufacture d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, là où son propre père avait lui-même séjourné.
le juge Pasquier interroge Fieschi à propos de son incarcération. Pendant cette détention, quelle a été votre conduite ? Et Fieschi raconte. J'ai travaillé comme ouvrier tisseur pour les draps pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai été nommé chef de l'atelier où je travaillais. La dernière année, j'ai été nommé cuisinier à la cuisine de l'hôpital pour les malades de la prison. Il y arrive au mois de novembre 1816. Et il va être ce qu'il est convenu d'appeler très vite un prisonnier modèle. Ses co-détenus racontent qu'il parlait souvent de son attachement à l'empereur et se vantait sans cesse des services qu'il avait rendus à la cause impériale. Ceux qui avaient étudié son caractère le représentent comme un homme opiniâtre, fier, orgueilleux, accessible à la flatterie, entreprenant, intéressé et peu enclin à un dévouement fanatique. Et il va passer là 10 ans à peu près dans une paix relative qui ne sera troublée à partir de 1825 que par l'arrivée d'une femme parmi les prisonniers. Il y a à peu près entre 400 et 500 prisonniers, je pense, à Embrun à ce moment-là, dont une femme qui arrive, qui est Laure Petit, et dont il va s'amouracher. En 1830, il se rend à Paris. Il profite de ce que le roi Louis-Philippe réhabilite les anciens prisonniers politiques condamnés sous la Restauration et de la loi d'amnistie du 26 août 1830 pour réclamer le grade de sous-lieutenant dans le service actif en s'appuyant sur ses récompenses militaires et en présentant sa condamnation comme politique compte tenu de son passé dans l'armée napoléonienne. Giuseppe Fieschi se dit « J'ai peut-être une chance à jouer ». Je vais me faire passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un proscrit politique, une victime de la répression politique des Bourbons. Il va se fabriquer un dossier de victimes, d'anciens militaires glorieux de l'Empire, de victimes des Bourbons, compromis dans une conspiration qui, elle, a existé, donc il a dû en entendre parler, qui était la conspiration dite de Didier en 1816. Et il va prétendre que sa condamnation à Bastia, qui est une condamnation pour vol, est une condamnation politique, en disant « Oui, mais c'était des vengeances politiques, on s'est servi de ce prétexte pour me faire condamner, etc. etc. » Il est alors incorporé dans le 61e régiment d'infanterie de ligne, mais uniquement comme sergent. Il devient instructeur à la baïonnette, au gymnase militaire, ce qui lui permet d'obtenir l'estime de personnes importantes. L'une d'elles, Monsieur l'avocat, lui confie des missions délicates et le recommande même au ministère de l'Intérieur. Et puis, il va remettre en selle les relais qu'il avait dans les milieux napolitains, c'est-à-dire le général Franceschetti, son ancien chef, et puis quelques autres Corses influents, dont le général Sebastiani et quelques autres figures napoléoniennes. Il fréquente aussi les Corses plus modestes, qui sont nombreux à Paris et engagés dans un certain nombre de relais politiques. D'autre part, il va devenir, grâce à un certain nombre de personnages, dont le préfet de police Baude, dont il va se rapprocher aussi, et devenir alors là un agent d'influence tout à fait particulier, il va devenir, en tout cas, le responsable d'un moulin acheté par la ville de Paris, 4 ou 5 moulins en fait, pour suivre et surveiller et entretenir le cours d'eau de la Bièvre. Et c'est le moulin de Coulbarbe dont il va devenir le bénéficiaire, dont il va devenir aussi le responsable d'entretien. Ça va lui assurer des moyens financiers qu'il n'avait pas, jusqu'à ce que, en 1834, on se rende compte que tout son dossier est en partie constitué très largement de faux. Alors là, il va tout perdre. Il va perdre progressivement et sa responsabilité dans le moulin. Il va perdre aussi une autre charge. Et là, il s'était mal conduit à un moment donné. Sa vie s'avère être ensuite une série de déceptions. Le départ du préfet Baude fait qu'il est moins sollicité par la préfecture. Son couple avec Laurence Petit bat de l'aile et il devient l'amant de Nina, fille de Laurence, à peine âgée de 18 ans.
Il fréquente alors les tripots du palais, détourne de l'argent de son employeur et perd son emploi. Il fait également, en 1834, l'objet d'une enquête pour falsification de certificats produits devant la commission des prisonniers politiques. Sa situation de récidiviste après sa précédente condamnation l'oblige à se cacher sans aucune ressource. Il tombe dans la misère la plus crasse, donc c'est très difficile, et il n'a plus de moyens de subsistance. Et ça devient d'autant plus dangereux qu'il apprend, par divers relais, qu'un mandat d'amener pour faux et usage de faux est porté contre lui. Et comme il a déjà été condamné lourdement pour faux et pour usage de faux et pour vol, la fameuse condamnation qui l'a mené à Embrun, il sait très bien qu'il est récidiviste. Et que là, ça peut devenir extrêmement mauvais. Et là, par conséquent, par des relais amicaux, il change de nom. Alors, il se fait appeler tour à tour Alexis, puis Girard, ou Gérard, selon les diverses formes qu'on trouve, mais c'est bel et bien Girard dans les pièces. Et c'est sous ce nom de Girard qu'au lendemain ou au jour même de l'attentat, on l'identifiera d'abord. Or, dans sa situation, il ne trouve secours qu'auprès de ceux qui projettent alors un attentat contre Louis-Philippe, Pierre Moret et Théodore Pépin. Moret et Pépin sont deux républicains appartenant à des sociétés secrètes. Pierre Moret et Giuseppe Fieschi sont d'anciens voisins. Ouvrier bourrelier cellier, d'opinion républicaine, Moret, lui, vit à Paris. Après avoir été longtemps soldat sous l'Empire, il va fréquenter les sociétés secrètes sous la Restauration. Combattant des journées de juillet 1830, il reprend aussitôt, après l'accession au trône de Louis-Philippe, le combat pour la République à travers la Société des droits de l'homme et sans doute la Société des familles naissantes. C'est là qu'il rencontre Théodore Pépin. Pierre-Théodore Florentin Pépin. En 1835, à 35 ans, c'est un curieux petit personnage avec des favoris à Rouflaquette, un certain soin de sa personne. Il est père de famille, il a plusieurs enfants, il est commerçant. Pépin et Moret sont membres tous les deux d'une société secrète et ils ont chacun dans leur quartier des responsabilités dans cette affaire-là. Pépin, semble-t-il, a quand même un rôle plus important. Il est chef de section ou sous-chef de section et il est en liaison avec une bonne partie des chefs du parti, c'est-à-dire des gens comme Godefroy Cavaignac, qui est une figure de presse et d'opposition, comme Raspail, comme Blanqui ou comme Barbès. Alors, comment Giuseppe Fieschi, bonapartiste avéré, se retrouve-t-il au cœur d'un complot républicain visant à faire tomber la monarchie ? Giuseppe Fieschi, a priori, il n'a pas de conviction qui soit forte. Hein, il ne semble pas qu'il soit, au vu de son parcours déjà, je dirais, engagé de la même façon que ses complices. Qui sont des républicains, qui sont radicalisés, qui ont une ambition qui est claire. Lui semble beaucoup plus opportuniste d'ailleurs. Ceux qui l'ont fréquenté de près, notamment sa maîtresse, justement, témoignent. Elle dit qu'il n'était animé que par le souci de l'argent. Et à travers cela, on peut voir aussi peut-être un parallèle social. Quand on sort d'un milieu aussi défavorisé, justement, quand on a connu dans son enfance, dans son adolescence, des humiliations sociales, en liaison notamment au père, soi-même, à travers un parcours militaire qui finalement est assez chaotique, à travers le fait que sur une fin de parcours parisien, il est indiqué pour la police de Louis-Philippe finalement, et qu'on finit par l'oublier. Sa situation, non seulement sociale mais économique, ne le satisfont pas. Et on peut penser donc à un moment donné qu'il agit par pure opportunité. Peut-être s'est-il rapproché même d'ailleurs de ces hommes-là parce qu'il lui accordait un certain intérêt.
dans une période de sa vie où il était abandonné un petit peu de tous. Sa maîtresse l'avait quitté. La carrière qui aurait pu s'offrir à lui, en tout cas, lui est refusée. Lui qui avait espéré même un temps être officier, justement, dans les armées de Louis-Philippe, s'était retrouvé quand même à des positions subalternes. Bref, il y a certainement beaucoup d'éléments qui viennent le ronger, cet homme-là. Donc, conviction politique forte, je ne pense pas. Par contre, en ce qui concerne ses complices, assurément. Comme Moret lui parlait souvent de faire tomber le gouvernement, Fieschi raconte que lui est alors venue l'idée de créer une arme qui pourrait éliminer le roi et sa garde rapprochée sans utiliser beaucoup de moyens. J'ai une idée pour garantir ou pour prendre vos barricades. Et ça pourrait même défendre une place assiégée quand on n'a pas de soldats ou peu de soldats et suffisamment de munitions. Alors il explique tout un dispositif de fusils, au milieu une grosse pièce de canon, et il décrit ce gros dispositif-là de son invention. Et Moret se dit « Ah oui, mais en version réduite, ça pourrait être plus intéressant. Ça pourrait très bien servir à tuer Philippe, parce qu'il appelle le roi Louis-Philippe Philippe dédaigneusement, n'est-ce pas ?» Dès que le dessin de cette machine fut couché sur le papier, il le présenta à Moret, qui fut emballé. Ne disposant pas de moyens financiers suffisants, il contacta alors Pépin. Emballé lui aussi par l'idée, Théodore Pépin accepta d'avancer les fonds nécessaires. Ils se rencontrèrent tous les trois et planifièrent le projet. Fieschi leur dit avoir besoin d'une somme de 500 francs et d'un appartement sur le parcours du cortège royal. Il loue une chambre au 50 boulevard du Temple afin de construire la machine infernale faite de 25 canons de fusil. Il avait une certaine ingéniosité parce qu'il s'est dit « je ne vais pas acheter 25 canons, ça va se savoir ». Donc il est allé à droite et à gauche pour acheter des canons. Même pour le châssis, il s'est débrouillé de prendre des morceaux à droite et à gauche. Il a fait en sorte d'avoir un certain nombre de préparatifs. Il était très ingénieux. Il a fait plusieurs essais. Par exemple, il voulait savoir quel était le meilleur moyen de faire tirer tous les fusils en même temps. Alors il avait essayé à droite, à gauche, et il s'est aperçu qu'en mettant de la poudre, comme ça, tout le long, en mettant au milieu, tout partait, dans les deux sens, et ça partait en une seule rafale. Naturellement, il a attendu le 25 juillet, la fête, etc., le passage du roi, et qui devait passer par là. Il avait bien repéré l'endroit, tout ça, l'inclinaison. Il avait fait une inclinaison, naturellement, dans la machine et tout. Des essais de mise à feu de la poudre sont faits dans le cimetière du Père Lachaise. Un complice passe même à cheval sous les fenêtres de l'appartement du boulevard du Temple pour régler la hausse de la machine infernale. Le jour J, 28 juillet 1835, Louis-Philippe doit passer en revue la garde nationale sur les grands boulevards pour l'anniversaire de la Révolution de 1830. La machine est placée à hauteur, en direction du cortège, et fait feu avant d'exploser. Le roi s'en sort avec une éraflure. Ses fils sont indemnes. Tandis que le maréchal Mortier est tué. Le bilan définitif s'élève à 18 morts et 42 blessés. Après l'attentat, Moret était supposé attendre Fieschi à proximité pour lui remettre un passeport afin de faciliter sa fuite. En fait, il avait à dessein chargé trois canons de chevrotine et de divers projectiles pour provoquer leur explosion et la mort de Fieschi, de manière à éliminer un témoin gênant. Alors quand on observe un peu le groupuscule, finalement, on a l'impression d'abord d'avoir affaire à des gens qui sont un peu isolés. Des républicains avec l'ambition de créer une déstabilisation
certaine de mettre un terme à une dynastie, un règne, mais une dynastie aussi. Et en même temps, sans parler de la figure exclusive de Giuseppe Fieschi, on peut se poser la question, en effet, qu'est-ce qu'il pouvait envisager pour l'après. Et au vu des éléments que l'on rencontre, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan. Il n'y a pas de plan de prise en main, de gouvernance quelconque. Il n'y a pas de relais d'importance, en tout cas, dans les institutions du royaume. Et on a affaire à des gens isolés. Alors c'est même d'autant plus marquant que dans ces années-là, justement, 1830-1835, les tentatives d'attentats sont nombreuses, les ambitions de renversement de pouvoir en Europe sont très importantes. On trouve en 1831, par exemple, l'insurrection des Romagnes en Italie, avec le mouvement de la Carbonari. Des personnages comme Civio Menuti vont être exécutés, ils vont engendrer Mazzini, les Garibaldi notamment. On trouve une équivalence française avec la charbonnerie. Et à l'évidence, donc, ce sont des gens qui en sont complètement étrangers. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en réseau, justement, de leurs ambitions. Et en cela, on a affaire, visiblement, à une opération qui concerne un petit groupe de républicains qui souhaitent surtout déstabiliser certainement un régime, potentiellement le renverser, mais qui n'ont peut-être pas idée de ce qu'ils mettront en application pour l'après. Après 6 mois d'instruction, le procès s'ouvre le 30 janvier 1836 devant la Chambre des Pairs, compétente en vertu de l'article 28 de la charte de 1830 pour juger les attentats contre la sûreté de l'État. Il durera jusqu'au 15 février. Fieschi est défendu par 2 avocats, Gustave-Louis Chédestange et un compatriote corse, François-Marie Patorni. L'homme reconnaît les faits avec outrecuidance. Il est à son affaire, il fait le beau, se pavane, tandis que Moret et Pépin plaident l'innocence. Lui réclame la mort. Alors c'est quelqu'un effectivement qui intrigue un petit peu. Il a des déclarations extrêmement contradictoires tout au long de l'instruction. Pendant le procès, il a une attitude qui ne correspond pas non plus à ce que l'on attend d'un criminel, puisque de fait, il fait mine de s'essuyer les yeux lorsque les victimes parlent. C'est quelqu'un qui contredit les témoins, qui contredit évidemment ses complices. Durant 17 audiences, Fieschi va pérorer, se poser avec orgueil comme un grand criminel et écraser ses comparses qu'il traite de couards et d'hypocrites. Il va se montrer bravache, va dominer littéralement les débats avec un culot, un cynisme de comédien né, mais aussi une certaine sincérité indéniable. Et puis, il va être absolument mais immonde envers ses complices. Il est vrai qu'il a beaucoup à leur reprocher puisqu'ils ont tenté de le tuer. C'est tout à fait le climat de cette chambre des pairs décrite par Alexandre Dumas dans une partie du Comte de Monte Cristo. C'est le climat d'un grand procès. Pépin, Moret, Fieschi sont inévitablement condamnés à l'exécution, à l'échafaud, avec une particularité au départ pour Fieschi. C'est-à-dire qu'en plus, on lui considère le fait que d'avoir voulu tuer le roi est un parricide, et on rétablit pour lui la logique du point coupé, de la sortie en chemise expiatoire, etc. Le jour fatidique, Fieschi marche bravement à la mort. C'est son jour de gloire. Dès 3 heures du matin, la foule se précipite vers la barrière Saint-Jacques où l'échafaud a été dressé. La circulation des voitures, charrettes et diligences devient impossible. Environ 25 000 Parisiens trépignent d'impatience. Fieschi et ses 2 complices sont tirés de la prison du Luxembourg à 7h30 du matin. Chacun a droit à sa voiture particulière. Elles sont encadrées par une 60aine de gendarmes et de gardes municipaux.
Environ 6200 hommes à pied et à cheval sont déployés autour de l'échafaud et sur le parcours pour éviter tout débordement. La foule fait silence à l'arrivée des trois condamnés. Pépin est le premier à faire connaissance avec la lame fatale. Il s'écrie « Je meurs innocent! Adieu, mes amis !» Moret le suit, tout aussi flageolant. Vient le tour de Giuseppe Fieschi de présenter sa tête à la terrible machine. Avant de monter sur l'échafaud, il lâche « Je regrette mes victimes plus que ma vie !» Puis il grimpe les marches de l'échelle deux à deux. Un sourire sardonique flotte sur ses lèvres. Pendant que les aides le ligotent sur la planche, il leur dit « Messieurs, je vous assure que j'ai dit à la France toute la vérité et rien que la vérité. Dites que je suis mort avec courage !» Le tranchoir s'abat sur le cou. Certains spectateurs disent avoir vu ses lèvres bouger encore quelques secondes. L'attentat contre Louis-Philippe contribua considérablement à jeter l'opprobre sur les républicains qui furent par la suite sévèrement réprimés, avec notamment des lois répressives, connues sous le nom de lois de septembre 1835 et appelées aussi les lois infernales. L'ingéniosité de Giuseppe Fieschi fut quant à elle récompensée des années plus tard quand sa machine infernale inspirera un général russe, André Kostikov, concepteur des fameuses orgues de Staline, en 1941. C'est un homme qui étudiait toutes les armes, qui était féru d'armes et qui avait lu l'histoire de Fieschi. Donc, il s'est mis en tête de la perfectionner. Donc, les orgues de Staline avaient un rendement que Staline avait jugé très bon. Et pour le remercier, il lui a donné 100 000 roubles. Lui, qui était un orthodoxe fervent, qui contrastait bien sûr avec l'armée rouge, l'athéisme, Staline et compagnie, en pleine guerre, convoque la nomenclatura de l'armée rouge, qui rigolait sous cap, mais qui sont venus quand même, d'assister à une espèce de Te Deum dédié à l'âme de Fieschi dans l'église de l'Arbat, la plus grande église de Moscou. Voilà, donc ça peut paraître curieux comme histoire, mais ça s'est déroulé comme ça. Spasiba, monsieur Fieschi.